Madame, Monsieur, bonsoir. C'est avec le même plaisir que notre Lacayo pour nous présenter une nouvelle émission de Caméra Mosaïque en bas MCTV. Je dis à nous une émission qui est extrêmement intéressante. C'est ça qui fait nous inviter pour faire voyage là avec nous. Et nous profiter de l'opportunité pour nous faire connaître que Caméra Mosaïque MCTV est en direct dans le pays d'Haïti dans le cadre de couverture 8e sommet finance et technologie que le groupe Croissance a organisé du lundi 9 au vendredi et du lundi 9 au vendredi 13 juillet dans le pays d'Haïti. N'a pas joué ou, n'a pas bouché ou, n'a pas là pour nous côté tout ça qui a déroulé dans le cadre 8e conférence à vous en direct dans le pays d'Haïti. Mais je dis à nous gagnons avec nous comme invités, c'est nos amis, ou nous connaît longtemps. Et cap milité dans Boston et surtout dans les affaires football, c'est les mêmes nous gagnons comme invités naturellement de vous et Pedro. Nous allons parler de football, mais on a profité pour nous parler de plusieurs autres activités parce que Pedro est un monde qui gagne en pile activité que l'a mené. Il gagne aujourd'hui à la et Pedro, grand pile monde qui gagne tendance. Là, faire référence à oh, c'est pas petit toi y a passé. Je dis ah, c'est pas un tel oui, ou presque perdu propre identité, c'est monsieur qui a bonne identité après toute son vie. Pedro, comment tu te bailles? Pas en forme, oui. Tu te bats en Salut, forme. merci pour l'invitation. Et bon, t'as là, salut tout le monde qui a regardé le show. Oui, et Pedro et Rivo. Alors, moi, il faut reconnaître que l'invitation, ce n'est pas un cadeau, nous faire. L'invitation, c'est une invitation qui est faite parce que y a un pile bagaille qui a fait. Qui dépassait la communauté à, qui arrivait de l'autre côté, et très spécialement qui arrivait dans le pays d'Haïti, vu que c'est des bagailles que c'est l'autre, en pile l'autre jeune, dans la communauté haïtienne, et surtout dans le pays d'Haïti, qui apprend avantage de lui-même. C'est extrêmement important de nous dire, ah, faut que nous jetions un coup de Kodak sur vous pour capable venir en long et en large, pour capable séparer, partager avec les gens qui regardent un peu partout dans le monde, pour connaître dans quelle mesure ils sont capables bénéficier de l'activité que vous avez menée. Quand un haïtien que me dans le football, que papa me censé jouer à AEC au Cap, que moi-même, je me suis à Haïti, j'ai 13 ans, je me suis à New York, je suis football, je suis entré à Boston, faire collège, je Boston, et que je suis toujours dans la communauté haïtienne. Que si grève, c'est pour un jour que je tourne en Haïti, pour aider les jeunes pareils. Que parce que l'homme a grandi, si on a une sorte d'encadrement, c'est à cause du travail dur avec des amis, famille, quelques familles qui t'ont aidé. Si on connaît au concert dans le football, les jeunes ont besoin d'une sorte d'encadrement. Donc il y a poussé le football, tout ça. Maïti, quand il y a là, je travaille en pile de football. Quand il y a là maintenant, je suis très fier de tête. Que l'année, ça a bien été Munich. Académie qui a montré en Haïti. Et ça, c'est un de très important pour moi, que c'est mon talent qui a un niveau talent qui a en Haïti. Quand on a eu un bal mini académie qui a pu entraîner, mais entraîner, on a pris 7 personnes à l'année pour mener dans l'académie, pour entraîner avec bal mini, pour garder les joueurs. Ça fait plaisir un peu. Bon, et là déjà, c'était capable de sujet à propos. Et c'est par le biais de vous-même que la possibilité ça allait venir exister. Mais on n'a pas de prétention que tout le monde cap gado là parce que nous n'avons pas de limite. Il y a technologie est dedans et nous-mêmes nous faisons tout effort pour nous marcher avec le temps. Mais en plus, le monde connaît que vous vivez dans Boston. Et c'est dans Boston toujours, même là, je dis à temps séparé entre Boston et Massachusetts avec Haïti. Et en plus, le monde tout, surtout le monde qui gagne 20, 25 ans dans la boucle là, ils ont songé que je vais te faire gâter. Je vais jouer au football, dans le Cambridge, dans la Pointe-Noire, dans le Siwo, dans le bagage. Donc, il est important que nous connaissions qu'ils sont joueurs au football. Ils ont gagné qu'à parler là-dedans. Oui, vous êtes là, de Rasta, vous sortez à tête calée. Vous voyez, très intéressant. Mais où va jouer au football encore? Je joue au football dégagé. Ok. Mais raison que je ne suis pas à minute. Un club ici au V40 qui est le GPS. Okay. Joe Bradley avec et Peter Bradley, ça a été des fois ça, qui est un GPS Academy qui font une sorte de liaison avec Bayern Munich. Et next, on a vu nous tenir ensemble.
que mandé pour aider avec projet ça en Haïti. Sont toujours fait petit boule moi temps en temps me descend Haïti me petit boule moi avec Minova, vous connaissez Minova. Mm-hmm, très bien. Ce Minova toujours mène un petit exercice mm-hmm. pour nous gérer ce stress-là. Mm-hmm. Mais nous ne pas jouer au football. J'en ai déconné là. Bon, nous ne sommes pas capables de tout. Nous ne sommes pas capables de tout. Mais, madame, fait tout pour nous connaître que Bayern de Munich, c'est un club première division. Et c'est une capable de dire dans 10 dernières années, là, c'est un club qui dominait le football allemand à tous les niveaux. Non seulement il gagne en pile championnat, et puis c'est lui-même qui. Et il y a plus joué dans la sélection allemande là, où il y a là. Donc, tu as parlé d'un grand club de football. Okay. Tu n'es pas capable de parler de Bayern de Munich, même si tu n'es pas obligé de gagner l'âge moins. Mais tu qui le football, on va parler de club et Franz Beckenbauer, qui en plus le monde dit, c'est le plus gros libéraux que le monde du football jamais connaît. On va parler de Rummenigge, on va parler de tout le monde. Donc, c'est eux-mêmes qui marquaient le Bayern de Munich. Et gagné, pourquoi monsieur fait mourir là, si je ne me trompe pas. Paul Breitner, M. Mourin, M. Tenant, Nursing Home en Florida. Ouais. C'est l'équipe qui marquait nous, parce que Génération Pamna, en 1974, Haïti a participé à la première Coupe du Monde de football. Malheureusement, depuis le Yakouni, à un niveau division masculine, première division Haïti, beaucoup de gens qui ont participé à l'autre Coupe du Monde de football. Mais c'est en Allemagne, Coupe du Monde, ça a été organisé. C'est-à-dire la CAI et l'Allemagne. Et non seulement ça, mais c'est l'Allemagne qui a pris le gagner le championnat ça en finale face à une très grande équipe hollandaise qui était dominée par Johan Cruyff, encore de regretter mémoire. Donc c'est en dans équipe ça, je vous dis à là, où on filière qui est capable de bailler possibilité pour jouer haïtien aller dans stage dans l'équipe ça. C'est ça qu'on parle là. C'est ça qu'on parle là. C'est nous que, mais ça n'a fait plus nous, où nous connaissons le football là, il faut qu'on sorte d'éducation là-dedans. Parce que ça nous besoin académie en Bayern Munich besoin faire qui gagne jouer en Haïti qui faut assez qui ca rentrer dans MLS qui ca jouer dans collège ou gagne ça qui dans niveau professionnel. Ce nous rencontre nous dit que bon dans en académie n'a pas un joueur dans nos fonds de partenariat avec Mino qui gagne Chana mais qui gagne Chana l'école en l'école football que nous même Bayern Munich nous juste indépendant après nous prend ça nous faire nous un plus bon joueur. Nous mettons dans Bayern Munich, l'académie, dans toute Haïti. Ça nous a fait, on a commencé en Port-au-Prince avant, parce que nous avons liaison avec Minovob. Après, pour nous vivre dans toute partie en Haïti, à Saint-Marc-au-Cap, qu'on y a là, nous faisons un championnat, un gros championnat, tout l'âge de 11, 12, 13, 14. Après, nous prenons plus bon, ça plus bon, qui, parce qu'il y a un joueur qui dit, c'est pas l'école qui veut jouer, c'est professionnel qui veut jouer. So next ça si je ça nous prend nous ca pousser pour aller dans Bayern Munich dans académie ou en l'autre bord pour regarder des projets professionnels mais gain joueur qu'on nous connaît que il bon assez qui ca jouer dans division 1 dans collège ici gain joueur de rentrer dans MLS là tu comprends mais tout joueur ça nous besoin faire de grève Bayern Munich je pas veux jouer ça aller pour les jouer pour américain le time on joue pour jouer ça académie ça pour être pour jouer dans sélection. OK. On prend du cas des sélections parce que ça nous besoin de comment ancien joueur nous besoin regarder joueur haïtien il y a tellement de gros talent mais nèg individuel le pas dans ça en l'air jeune en équipe. Okay. Et pas chambre une sorte de okay. Académie collectivement il va avoir force. Il va avoir force individuellement. Oui. Ouais. Mais où se parle d'une académie là soit Bani académie de qui académie on va parler là non ou, Chana ou même est-ce qu'on voit académie de football ou académie va... moi même avant de gagner Charlie Joseph académie okay. Boston okay. Qui est un garçon en train de jouer okay. Que là nous monsieur... pour parler de monsieur oui. Monsieur ça pour contre lui ok oui nous a frappé après qu'on y a la main après m'était entraîné monsieur juste dans Beaver et on parle de l'école qui est Brookline qui est les Beaver Country Days. J'étais coach pour Brooklyn High School. Do. Mm-hmm. Après, j'étais directeur coaching en Charlie Joseph Academy. Après, j'ai eu un final aller et puis je me dit bon, je vais me changer en Haïti. Mais je vais apprendre ça en Haïti. Ok. Donc, on va essayer si nous avons fait bailler de manière méthodique. Ou même, est-ce qu'on a une organisation en Haïti? Est-ce qu'on a une équipe qui travaille ensemble avec vous? Ou est-ce que c'est vous-même seulement qui fait travail ça en Haïti? Bon, en Haïti, je me dis que bon, moi, c'est mon groupe. Je ne connais pas si mon groupe est Power Forward International, qui est basket, plus que je couvre. Pour ce qui est avec Power Forward, c'est moi qui dis que je directeur pour Power Forward. C'est nous-mêmes qui. Power Forward, c'est même nous qui avons joué
basketball qui nous prend en Haïti, parce que là, je suis ici dans l'école privée. Nous avons même 4 joueurs en division 1 collège, nous avons un NBA à ce qu'à l'habitude. Okay, c'est nous même pas au fait que les premiers jours après, tremblement de terre, avec Pierre Varelma, c'est même qui fan le CEO, compagnon, du cousin. Okay. Bon, bah, et Pierre, qui nous prend tout petit monsieur ça, nous avons même 40 qui dans le Connecticut, ça Texas, ça qui est en Mississippi. Nous avons tout joué ça. C'est ensemble que nous commençons dans le basket. Là. Okay. Après, moi, je fais tout le ça net, moi, football là ensemble. Après, moi, on frame que le Steve Checker, monsieur habité Wesley, monsieur, juif, mais monsieur haïtien, juif, monsieur Haïti. Okay. C'est monsieur Damo en Haïti en pile, monsieur le football, monsieur ensemble avec même. Tête, calé. Okay. Même j'en tête, non, calé. Ok, là, ok. Ça frappe okay. Avec nous fort. Et M. Damo pour Haïti. Et M. Steve, quand on vient à Haïti, il passe même 5 fois déjà. Ok. Ok, c'est lui-même qui a fait bas une minute ensemble avec nous. Avec tout l'énergie de football, nous sommes tous l'âge 40 ans. Oui. Oui, sommes oui. Steve avec nous. Passe pas, il ne veut pas jouer, il passe là avec les oules. Va vous? Va vous. Tonton va courir des boules. Ok. Donc, bonjour. Kounya là, là en Haïti, qui côté ou aller pour recruter Timoun sa yo, et combien de temps il prend pour suivre yo, et puis comment approcher yo, qui rôle parrain ou jouer là ça, comment ça fait? So, ça nous fait pour nous fait deux camps par année, et nous invitons tous les joueurs. Mais qui côté nous fait comme donc, ça? Nous fait camp, non, pour basket là, nous jouons dans le stadium là. Là, Port-au-Prince. OK. Et deux ans de silence de faire au Cap. OK. Après nous faire moi-même dans le football là, nous faire dans le centre de Dadou. OK. Et nous faire camp sous Saint-Thérèse là. Petionville. Okay. Après nous prenons jouer ça yo, là nous prenons jouer ça nous mettons ensemble. Nous au basket là, nous beaucoup prenons jouer football, nous rentrer avec ici. Beaucoup faire ça nous fait à basket là, ça nous fait la bichière so, ça nous fait qu'un plan après nous chercher on sort de bail les I-20 I-20 c'est les mêmes qui vous battent si vous avez un visa à l'école pour le cas de l'école privée nous cherchons une host family pour lui host family un pays on sort dans l'école là reste là jusqu'au lâcher nous prenons si vous avez l'âge 15-16 après nous pousser ils ont été dans l'école quand même deux. Il est Dimitri avec Kandavi, Connecticut. Il est fait All-American Player of the Year. Quand il a ce collège, il a cherché Boston University offre un scholarship. Il a UConn invité M. dans scholarship. So, après, quand il a nous disparu de Negio, il a choqué Timon Saoul, le nombre de familles qui ont suivi. Après, nous avons salé Kako, a bon bel pour ça. Non, travail ça. Un comédien? Oui, un comédien. Ok. Mais bonjour, Paul et Rivo. Est-ce que quand vous les organisez, par exemple, ouais, ou dit nous organisons un camp qui dans Saint-Thérèse, avait dit là, nous dans Pétionville, nous dans Port-au-Prince. Ouais. Bon, et heureusement, bon, l'autre camp qui était organisé là au Cap. Bon, au Cap, nous avons essayé de comprendre ça, c'est deuxième ville pays, et puis c'est pays où tout. Mais est-ce que nous avons moyen, par exemple, même le neuf fond camp que nous avons fait dans le sud, que nous avons fait dans le sud-est, nous avons moyen pour nous annoncer tout l'autre département. Yo. Parce que des fois, nous avons cherché talent dans Port-au-Prince, et puis talent, c'est juste un côté là, tout le monde nous est lié. Ouais. C'est l'ancien, nous, on a dans ce talent. Est-ce que nous pensons qu'on le fait nous bon ou façon? Par exemple, si nous avons fait un camp dans le sud, nous avons fait un camp dans Jérémy. Nous avons organisé nous pour les gens qui sont dans toute section rurale, Jérémy. Parce que quand le football haïtien, je joue football de tous côtés. Et ça, Gwen Zaboka, qui ça n'importe quoi, tout le monde joue football de tous côtés. Pour les gens qui sont dans le côté qui est plus reculé, capable d'entrer dans la ville, côté, nous avons fait comme ça, pour nous capables de jouer tout le talent. Bon, oui. Parce que nous avons les gens fait là, malgré nous-mêmes, mais l'illimité aussi, ouais. Parce que nous avons regardé Néglia Mondésir, qui c'est. Qui a fait fierté à Haïti, qui est un plus gros joueur de football femme que le pays a gagné, qui parle de la Coupe du Monde U20. Mais tu vis ça, son petit monde, je ne sais même comment exagérer pour me dire que bon, parti dans la ville, il n'y a pas même une ville qui n'est pas ici même. C'est en deux ans qu'il est sorti. Voilà, je dis, mais c'est bon Dieu seulement qu'on côté le arrivé. D'ailleurs, la France presque est trop pour lui. Tu vois, donc est-ce que nous n'avons pas un pile de talent qui cachait l'encore reculé ça, mais nous n'avons pas un moyen pour nous y rejoindre? Bon. À
année ça, nous mettons, bien content au moment des questions, ça sont des questions. Parce que année ça, nous mettons plan que vous chaque année nous faisons un camp dans différentes zones. Mais on va regarder plus fort jouer nous qui arrive ici sous nous. On va regarder plus fort les Sénégaux naïfs. Je viens parce que nous avons des 6 pieds 10, 7 pieds. Okay. Oui, la Tibonite, Mais dans nos fonds, on dit tout coach. Parce que le basketball, on connaît le basketball, on sort de résolier. Et nous dit coach, parce que ça nous fait, nous prenons Timounio. Nous cherchons côté, si il y a un côté priorité, nous cherchons côté priorité. Puis nous faisons 3 jours, si des 4 jours, nous devons manger. Puis nous 3 fois par jour, nous prenons des tennis pour eux, nous faisons tout ça. Ça veut dire, dans le moment où on parle là, si il y a une famille, que l'en Boston, qui est en dehors de Boston, qui est intéressé dans un programme comme ça, pour bailler un petit haïtien chanceler pour venir jouer professionnel, au contraire, ça veut dire, l'on petit monde sur Haïti, et bon, majorité haïtienne, c'est côté qui a une difficulté. Il y a plus de chance de sortir dans une famille qui a une difficulté. On a le 26 professionnel bon, ici, que c'est l'en soccer, que c'est l'en basketball, ou qu'on est qui ça qui retombe économique, social, ça a gagné. Est-ce que son famille, Captain Dola, lui-même, lui dit, bon, seul ça me gavé, moi, j'ai un bagot qui a un problème pour m'héberger un petit monde là quand même pour 3 jours, pour une semaine, pendant l'an, quand même, pendant l'an de choix à route. Est-ce que son bagage, légalement, nous sommes capables d'accepter? Oui, nous sommes capables de ça. Parce que, ça nous puisse concentrer sur la Haïti. Depuis nous avons joué, ça nous fait une joie, nous gardons. À l'âge de 10 ans, nous divisions en haut. Après, nous demandons à on, mais parce que je prends 6 mois. Ok. Après, nous parlons à nous, mais il y a des fois, il y a un petit problème qui fait que nous avons un petit peu. Il est voilà pour l'école parent je passe ça c'est un jeu game ok ça ben là sur la lève là les gars tu vas penser que vous voilà les mais des alors on a essayé d'expliquer mon yo swab dia là c'est que grand championnat et bon professionnel, semi-professionnel en Haïti, bon, regardez le conseil, j'en ouvre. Mais c'est presque en pile maison en Haïti, tant qu'on doit gagner un bon goût, ou gagner marché Titoni, ou gagner police nationale, ou gagner Natcom, ou gagner Digicel, ou gagner Bankio, et ou même qui organisent le championnat de basketball. Ça. Oui. Voilà, d'après sa coach Eri, vous avez expliqué là, fait M. Djumbagay, qui fait sens. M. dit, il y a un avantage, si mesdames Haïti ont gagné, pour dire, tenant compte de. Côté au sorti, socialement, économiquement, et par an yon bay fédération du 1er janvier au 31 décembre. Ça veut dire, ou gen ti moun nan 24 sur 24 pour jouer football avec lui. Tandis que, ou ti moun kap jouer football aux États-Unis, ki jan Noël maman l'val ba ou la, ki jan Easter maman l'val ba ou la, Thanksgiving maman l'val ba ou la, ki jan pou l'palan vacances d'été en femme, avec famille la, alfons, 2 semaines de yon. Tu vois? Donc, c'est pendant ce temps, si mon Haïti n'a pas gagné, c'est malheureux, ça n'a pas dit, mais son réalité. Dans la réalité, elle a tiré sa positif là. Les mêmes qui n'ont pas gagné, genre de rendez-vous, ça y est, c'est football là seulement le gagné pour jouer. Donc, c'est pas ce que je vous dis, que grand pile côté reculé dans le pays, si mon nom, malheureusement, seul ça le gagné, c'est football seulement le gagné pour jouer, eh bien, on est capable de jouer plus de talent que sous le talent pour tout prince, dans Pétionville, dans Boisvena. Non, parce que talent, on dit talent par rapport au prince. Bon, dis qu'à vous, prince tout. Dis qu'à n'importe côté. Si on regarde les plus gros joueurs, tous les gros joueurs, on est le petit monde d'Abgandi. C'est comme si un jeune Joseph Cousin. Oui. Bon, bah. On est le regardé et on joue toujours dans même game en pile. Et Gérald Omelis, c'est un petit monde, Jabaka. L'Abgado là. Vous connaissez Boston, lui. C'est Boston l'habité. Oui, l'homme de petit monde, 15-16 ans, d'Abgandi, avec l'Angers, c'est New York. Ok. On voit tout le monde. Ils ont au cap, pour aller passer. Quand on vous dit, je vais cacher dans mon pot. Le problème, c'est que moi, les raisons, c'est que moi, je suis allé à l'académie. Nous n'avons pas cherché à jouer. Et Nono, il a dit, Nono, son gros joueur de football, son
un grand frère que nous parlé que monsieur non même j'avais non avec Bayern Munich. C'est il bille quoi dans il y a que les journalistes vont chercher et nous nous chercher parce que pas il on ça cache parle pas connecté pas un copier pour un bijou en côté parler côté là côté que ça parle je s'apprêter la fête pour passer nous même. C'est nous privé et nous pour arriver sous yo. C'est nous pour arriver sous yo. Sous yo qu'on y a là ou quoi mon mal est censé sur les mon bon gamin qu'est-ce pour les musiques à musique 14 ans nous su je dis une 14 ans du coup pas l'homme pour moi les mino là mino qui n'est pas allé là mettez monsieur besoin mettez qu'est-ce que monsieur moi j'aimerais mettre mes sous lui l'amener monsieur bas mino je dis si monsieur qui est 14 ans, mais nous gagnons ici en Haïti. Alors, on a dit que Minoua, c'est qui fait Philippe Vob. Ouais. Et c'est lui-même qui est responsable de l'école football que les Vob et que les China. Son école qui a plus que 20 ans d'existence. Ouais. Il a fait un pile de travail avec Timoun et puis il travaille de conseil avec un pile et l'autre l'école football tout. Mais moi-même, je pensais que le monsieur Bayen Yovini, il faut qu'on t'amène autour. Bon, comment on a eu contact avec Carlo Maslin pour t'aouer. Et petit monsieur ça tout parce qu'il y a petit monde là ça qui fait mais en dedans dans l'école football et l'école des talents que ancien ministre et Dadi Le Souffler vont te créer moi même parce que il y a un avantage moi pense l'école ça a gagné soit on dit ou besoin faire c'est comme ça le fait c'est pour l'école football qui gagne seulement petit monde qui a joué dans Port-au-Prince dans Pétionville dans Delma dans Carrefour c'est l'école c'est petit monde qui a joué tout côté il déniche et puis on mène dans l'école là il dit ah ça a gagné talent vrai n'a pas kembel. Avec vous, vous doit étonner pour que les messieurs Bayen nous arrivent dans là, vous êtes ébloui pour le talent que vous jouez. Mais dernière question avant de nous proposer là pour nous terminer et pour nous prendre deuxième partie pour nous terminer. Et dans tout le monde qui croit que l'expérience, l'étude que vous faites, quelle qu'en soit beauté qui gagne, quel que soit genre d'initiative capable d'intéressant, mais s'il fait seulement juste pour faire plaisir, pas gagner coblade, pas gagner, il y a pile chance pour ne pas durer. Ça veut dire, même si nous faisons cadeau en bagaille, le fait qu'on balle pour grand messie, il y a une tendance pour ne pas avoir de valeur. Mais nous-mêmes, quand on fait toute démarche, ça, comment nous avons entré coblade? Est-ce que si nous jouons un joueur là, et nous jouons un joueur Jérémy, et puis Jean-Michel Soudia là, mais il te soulève un petit Messi, il est 14 ans à parler là. Et puis nous prenons monsieur fait 2 ans avec nous. On dit fait 2 ans fermé dans l'école football, n'a pas l'éducation, n'a pas le manger, n'a pas le boire. Et puis après 16 ans, à 16 ans, Bayern Munich Welli et puis il prend. Et puis quand il y a l'un qui a pas le 18 ans, il parle majeur, il parle signer un contrat adulte avec lui. Mais nous-mêmes, légalement, nous ne pouvons pas bien comme ça. Oui, normalement, parce que Bayern Munich, en Bayern Munich, agent. Ok. On est agent, nous, les. Bon, nous-mêmes, jouons avec un agent, parle-t-on. Normalement. C'est vous-même qui êtes agent, il y a un autre monde qui est agent, qui n'est pas Neymar et Papa qui est agent. Normalement, ce sont dans le passé, Bayern Munich, c'est pour business. Bayern Munich, parce que maintenant, pour gagner un talent, ce lieu-même, il est entré dedans, il va rentrer pour dire. Non-profit. Ok, ok. Pour business, mais comme ça, est-ce que profit à la Bindren pour un forward? Non, c'est ça que power forward pour basket là, power forward, que ça nous a rien, mais parce que nous pas qu'à la team, la team fois la team n'a parti, ça te rive non, m'avait dit non, 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 non. La team on s'est parti, il était avec mon parent, on qui level, non, qui level la vie de sorte qu'on sorte de influence. Sous lui, parce que c'est lui-même qui m'a manqué, pas mal comprendre, que des fois on change l'idée, que nous, à l'âge ça tourne, nous pas qu'à faire aussi. Et ça, il leur dit, c'est pas un qui a cherché l'école, qui a cherché l'argent, parce que des fois, ils ont fait choix par eux. Mais ça, nous besoin, si ça vous fait, que même si vous voulez, c'est une belle, si vous avez du conseil, vous allez vous aider à l'académie, vous pouvez aider tout, venez aider. Il va besoin de quoi. Mais il a dit, bon, non, qu'est-ce que ça m'a sponsor, qu'est-ce que ça m'a sponsor. Mais comme là, tout, il n'y a pas de problème, tout, si vous avez parce que, bon, je vais vous ça fait nous exister. D'après, je comprends là. Il n'y a pas de doute ou bien comme besoin de poche pour caler tout. Ouais. Ou acheter ticket, ou dormir dans l'hôtel, ou manger, j'en se dit à la gueule, des gens arrivent là, quand ils ne sont ou pas foutu aller, ils ne sont pas foutu dans la poche. Il faut faire un geste pour s'en ouvrir. Moi, je connais les bagages. Mais
ou sot pale don paket moun ou gen sou ou tout, heureusement moun sa ou moun ki gen moyen et puis yo aide ou. Mais moun sa ou pa ka la éternel. Donc ça veut dire que si sous chaque contrat qui t'a fait, nous gagnons un bagay qui rentre, un 200 000, un 100 000, un 350 000 qui rentre, vin une organisation, qu'on y a, a vin gagner moins de monde qui peut fouiller dans la poche. Parce que il y a des gens qui peuvent entrer dans ces organisations. C'est peut-être ça, elle va entrer. Oui, parce que depuis le rentre, c'est comme il va le bail, il n'y a pas de moyens pour le bail. Mais si moun nan connaît que l'aile y a rentré, le problème est presque résolu déjà. Pour nous assurer de compétences, nos besoins avec les gens qui viennent battre. Ou avec plus de monde. Donc, je ne veux pas pour nous peu aborder que nous devons faire comme ça. Nous pas gagné mal dans faire comme ça. Oui, et ça c'est clair. Nous avons aimé ça. Mais des fois nous ne pouvons pas prendre si nous ne pouvons pas passer. Mais quand nous mettons en place que la team nous signe, hein, à cause des parents, nous faisons les combats. Ici, on va être même s'il que on peut connaître que depuis là il vivait pour tourner pour l'aider. Pedro, tout ça n'a dit là, c'est ça la langue ou maîtriser plus bien que les bylaws là. Depuis les bylaws là, oui, nous connaissons Timoun, même au niveau international. Gonlage Timoun, il n'est pas cassé en contrat. Il n'est pas capable. Et ça fait un pile l'école football étranger, il prend Timoun, il fait l'école avec lui, il va le manger, il va le boire, il va le dormir, il là. Mais Timoun, ça a tout nous-mêmes, il doit gagner la bylaws là. Tout autant si mon mineur, quelle que soit la décision qu'il prend avec parents qui gagnent l'argent là-dedans, là, que le Mangouami, par exemple, que Barcelone, Bayern, Consignan, on joue au Brésil. Mais jouer ça, ça a pris 4 ans, 5 ans, il a vint pour eux. Il a bien l'âge pour venir jouer pour eux. Mais pendant 4 ans, 5 ans, ça a joué ça à l'autre côté. Mais là, 5 ans fini, jouer à vint majeur pour venir jouer une équipe là. Mais côté joueur a été sorti, à bylaws là écrit, il te met 15% ou 10% dans le contrat, équipe la joue inévitablement. Maintenant, une sortie a très important, et nous pensons sur ça, et nous commençons à parler sur ça. Mais pour Bayern Munich, nous avons Bayern Munich plus rongeant que ça, c'est pour business lui-même. Ça, depuis le commencement, il y a un joueur qui dépense sur lui, que vous connaissez ça, ça c'est pour vous. Non, c'est normal, c'est comme ça, l'obligé. Il y a eu un coup passé par vol, parti, il y a payé tout le bail, il y a payé même entraîneur au point, il y a payé pour tout entraîneur, pour une faire coup, parti, il venait ici, ça a un visa, ça a essayé pour venir en Allemagne, pour coup, et soit même, il est rentré, il ne veut pas faire coup. Ça veut dire que nous avons fait travail pour le coach, que le coach cap touche bien, travaille bien, que bien payé, il va venir chercher leur travail, pour qu'il gagne plus de force, pour le travail, pour qu'on ait un bon travail, il faut chercher le travail dur pour qu'il y ait travail ça. Après ça, tout le développement de coach pour en Haïti, il y a plus de monde qui est formé. Bon, et avant pause là, et rapidement, et est-ce qu'on a un numéro de téléphone, monde qui est intéressé là, il y a plus de questions, il y a besoin de poser, mais si il y a un monde qui a une façon d'aider, si il y a un monde qui a un talent pour la Cali, un talent dans la famille, comment est-ce capable d'entrer en contact avec nous? Bon, nous avons un téléphone pour nous carrer sa téléphone. Et compagnon, nous avons demandé une question. 617-605-68-99. 617-605-68-99. Vous m'avez demandé pour Pedro Evo. Pour Pedro Evo, que après, si je prends une information, si vous avez un même téléphone, vous avez WhatsApp. Tout. Et vous promettez que vous avez un appel là. Et vous avez un email adresse ou un adresse électronique. Parce que vous avez un avec là. Ok, bah, comme nous parlons de pause, nous tournons peut-être dans la deuxième partie qui n'est pas longue, même avec la première. Et nous avons parlé de ça. Donc, invitez-nous, c'est Pedro et Rivo. Nous avons tout le travail que monsieur a fait. Monsieur, c'est un membre de la Power Forward qui fait un pile travail. Là, fait un jeune haïtien qui a joué au basketball dans le pays d'Haïti. Et si nous avons joué haïtien dans NBA, c'est la Bissière. Eh bien, monsieur, c'est là, c'est dans le circuit ça a passé pour le river côté l'hiver. Ce qui est très intéressant, monsieur a toujours dit ça. Monsieur n'a pas jamais oublié côté le sorti. Et monsieur, pendant le superstar de NBA, monsieur retourné déjà en Haïti, côté là, le parler avec jeune Timoun qui a un talent qui a joué au basketball, même j'ai avec eux. Eh bien, eux-mêmes, bon, comme Pedro lui-même, sont malades de football. Moun qui habite dans Boston longtemps, ils ont dit que monsieur a baillé boule depuis le White Stadium, fini juste le championnat. Mario était qu'on organise avec une très belle équipe Siro de Reginald, James, Soutnex, Franzo. Franzo Grégoire, oui, la belle équipe. Oui, mais monsieur Sayo, mais monsieur Kouniala, il est dans le football là tout, ce qui est extrêmement intéressant. Dernier moment, je vais vous appeler un article.
côté, monsieur a travaillé avec des monde qui ont un rapport avec Bayern de Munich dans le pays Allemagne. Pour nous, dans quelle mesure nous t'a placé deux, trois petits joueurs haïtiens qui ont un talent, puis nous t'a allé continuer formation dans l'Académie football Bayern de Munich. La propose, mais pas oublier, nous rappelons que MCTV a live en direct dans le pays d'Haïti, sorti lundi 9 avril pour vendredi 23 avril, côté Napla, pour la couverture totale de 8e sommet sous finance à technologie que le groupe Croissance a organisé. Encore une fois, restez branchés, pas débranchés. Groupe Croissance et partenaires, BRH et Profine annoncent la tenue de la 8e édition du Sommet international de la finance et la 3e édition de FinTech, Finance et technologie de l'information et de la communication, du 9 au 14 avril 2018 dans la zone métropolitaine de Port-au-Prince. Les thèmes de cette année, financer l'agribusiness en Haïti et Bitcoin, fiction ou réalité. Durant 5 journées consécutives au Caribe Convention Center, des experts nationaux et internationaux discuteront de la finance municipale, du financement nécessaire pour relancer le secteur agricole en Haïti de façon à satisfaire la demande locale et favoriser les exportations, des allocations au secteur agricole dans le budget national, du renforcement du crédit agricole dans le système bancaire haïtien et de l'importance des assurances dans le secteur agricole au cours de cette période dominée par le changement climatique. Deux événements importants parallèles auront lieu durant le sommet de la finance. Conférence internationale de la microfinance le mardi 10 avril au Caribe Convention Center et FinTech les vendredis 13 et samedi 14 avril au centre de documentation de la Banque centrale. Le grand rendez-vous annuel de la finance haïtienne est patronné par la BNC, DAI, Sofides, FDI, Ministère du Plan, le ministère de l'Économie et des Finances, USAID Haïti, Unibank, BUH, AIC, APN, Fast Forward, Conseil national des coopératives, Yonsaya, Électroménager, Radio-Télé Caraïbes, RFM, Radio-Télé Métropole, Chocarella, Radio Ibo, Magic 9, Télé 20, Radio-Télé Guinée, Radio-Télévision 2000, Radio-Télé Pacifique, Radio Scoop FM, MCTV, Radio-Télé Quisqueya et le National. Groupe. Non seulement fait choix de nous, mais pour te choisir pour rester avec nous pour faire l'émission, côté invité nous, c'est Pedro Erivo qui se parle en long et en large d'un pile initiative, d'un pile et bagage que vous réalisez déjà, comment vous êtes capable d'aider les jeunes sportifs dans le pays d'Haïti, très spécialement ça capable jouer basketball avec volleyball. Alors, le numéro de téléphone, j'en ai noté déjà, c'est 617-605-68-99. N'importe monde qui t'a une question, ou même monde qui t'a une suggestion, monde qui t'a besoin pour te coller en mouvement pareil, ou a fait 617-605-68-99. Pedro, pour nous terminer, et j'aime te dire d'entrée de jeu, ou son homme qui gagne plusieurs codes là à coup, et il est très difficile aujourd'hui pour parler de Pedro Erivo, ou va parler de Zaké Erivo. Si c'est petit garçon, est-ce que brièvement, vous capable et font-y parler de monsieur, puis comment monsieur a dégagé la New England Revolution là? Bon, Zachary a bien travaillé que des petits problèmes au commencement que nous connaissons que monsieur a pris en pile dans New England Revolution, Institut Yusuba, que tap travail, tu t'es gagné, par ça, tu es fait en sorte de vous gober, puis coach a même coach a été le bouquet coach. Et Jay Hibbs parle encore, qu'on a un bon coach. Que moi-même, nous pensons que. Moi-même, nous pensons que je vais pas Zachary. Parce que moi-même, nous avons besoin de gagner quelques équipes en Espagne, en Sporting Gijon, qui étaient très intéressés. Et moi, bon, j'étais là dans tout. Je suis allé battre 11L4. Je n'ai pas demandé pour Zachary qu'on a. Parce qu'il y a vraiment des cobs. Zachary, même pensait que. Il a quitté Michel Allé parce que j'ai 3 ans, c'est là, je suis jeune. Il a quitté Michel Allé avec mon trompé. Il y a un beau club au Japon, tout, qui était besoin de Michel tout. Il y a tant de gens qui ont quitté Michel Allé quand il avait choisi, il a gardé ou il a réussi Michel encore. Donc, il a réussi pour un an encore. Que Michel a joué là, quand il a fait sortir, il était injured, il a eu des problèmes dans le GPA. Quand il a fait recommencer avec l'équipe là, la voyager, la entraîner bien.
coach a aimé monsieur mes coach a sont pensé que c'est agréable là pour un bot dans la révolution. J'aimerais aller là. OK. Mais et ça fait moi je suis au 3e année de l'équipe là. Oui, ça après fait 4e année. 4e année monsieur l'équipe là. Même quoi monsieur joué pour sélection haïtienne de football d'eau. Oui, monsieur joué pour première équipe sélection, monsieur joué avec pour les là Japon, des joueurs Japon, c'est monsieur qui était à 6 fait Golden Zone, tu fait qui devait faire 3-2. Je me match qu'il est joué à 5h du matin, ouais. Puis le monde est raté. Ouais. Ok, on ouais, ouais, joué match match là, nous allons dormir. Ok. Pourquoi okay. Maman, monsieur, japonaise? Oui, madame, maman, madame, japonaise. Ok. Et monsieur, fait au Japon, monsieur, fait au Saka. Oh, c'est maman, monsieur, madame. Oui. Oh, ok. Donc, et. Kounia, là, il n'y a pas de doute que le football l'a développé au Japon. D'ailleurs, depuis avant Zico. Tu as entraîné l'équipe japonaise là, qui était participé à la Coupe du Monde de football. Ça a un gros match, j'ai même été perdu face à Brésil. Mais est-ce que filière et familiale, ça a M. Gagné avec le Japon, ça a capable une chance en plus pour les jouer là? Oui, bon, et c'est peut-être ça que l'équipe japonaise a été besoin, monsieur. Le problème nous gagner avec ça, c'est qu'on a gagné J-League. Et J-League, on sent gros. Ça sont un gros club. Mm-hmm. On dit J-League, là, sont gros. Et bon club, non, c'est en ligue. Ok, on ligue. Japanese League. Ok. So, première division? Première division. Ok. Que c'est là que tout gros joueur au Japon, c'est là qu'on a commencé. Mais pour MT, qui gagne avec TBS, c'est venu en jeu international avec un jeu japonais. Parce que j'ai un passeport japonais, là. Oh, ok. Je ne sais pas les langues, là. Ça va être que vous créez un problème pour nous choisir. Et ça fait nous un passeport américain, nous avons besoin d'un contact japonais. Ça a déjà été difficile pour nous. Okay. Jusqu'à présent, j'en ai regardé, mais monsieur aime le Japon. Et le Japon, oui, même j'ai tout. Et pour le créer des cognats là, c'est que qui peut se choisir. Pour voir que si Haïti, monsieur, même on connaît ça, il sait mieux. Et même si je suis d'Haïti. Si, madame, je vais venir, mais moi, je vais te dire, oui, c'est Haïti, on t'a toujours choisi. C'est Haïti, je choisis, mais maman, puis plus, garder qui a opportunité, qui a plus bon opportunité. Oui, c'est normal. C'est normal, c'est quoi, nous camper entre nous deux, Zagaré, puisque, quand même, pour Haïti, tout. Ok. Je ne sais pas, quand je joue au football, et je vais mettre Haïti dans le niveau, mais, so, n'a pas de bataille, mais c'est Zagaré qui fait choix. Ok. Monsieur, il y a quel âge vous venez là? Monsieur, il y a 22 ans. Ok, monsieur, il y a 22 ans. Monsieur, pourquoi mettez-vous le signe là? Contrat, monsieur, il y a 5 ans, 2 ans garantie, 3 ans option. Option, et c'est l'équipe là, il y a pour option. Option 3 ans? Oui, c'est vrai. Mais est-ce que, mais qu'on est là, en deux options 3 ans, ça, l'unique façon, monsieur, sortir l'équipe là, c'est pour que tu as, le buy out, même si tu fais pour Neymar. Oui, c'est même, qu'on est là, c'est pour monsieur sortir là. Pour monsieur, pour être acheté. Même dépenser aux gens que, comme les négociants changent, j'ai changé de phase, j'ai décagé de déjà aller. Oui, vous avez vu nos free agents. Nous avons free agents, là, ça, là, oui. Ça, plus. Oui, vous avez. Mais moi, je me demande aussi, comme. Oui, oui, oui. Si je me suis acheté, je me suis acheté. Oui, oui. Mais négocier ton récit, monsieur. Et je pense que les gens ne sont pas entraînés à gens, entraînés à rien, monsieur, qui a pris les monsieur. C'est entraîné 50-51, que monsieur, un zagan en plus. Mais monsieur, quand même, les visées plus loin, quand même. Monsieur, t'as aimé Algérie d'évoluer en Espagne. Monsieur, t'as aimé. Monsieur, tu l'as filé à Bayern de Munich, ça, où il est à la. Monsieur, ouais, plus loin, quand même. Plus loin, mais nous, MLS, là, on se vive au niveau que. C'est pas. Nous, on passe dans MLS, là, nous, t'as aimé, ouais, monsieur, on haïtien, à percé. Pour nous, pour ça, nous, on va haïtien à Real Madrid. Oui, non. Barcelona. Bon. Oui, Dominique a joué, oui, là, en Europe, là, nous-mêmes, nous sommes capables de jouer. La première division, la grosse équipe, il m'a parlé. Ouais, nous avons gagné Jean-Jacques qui était joué là, Nantes, nous avons gagné ça, mais m'a parlé, nous avons Placide qui a joué là, mais m'a parlé. Vous comprenez, le gros championnat d'Italie, un championnat d'Espagne, équipe que tout le monde connaît, qui est très intéressant. Que, et je suis toujours dit, moi-même, je pensais, j'aime comprendre le joueur là, qui a déroulé là. Et Ligue en Asie, spécialement en Chine, tout ça, yo. Yo définitivement yo ba pile problème à MLS là okay. Ou jwenn grand pile gade Iniesta là on va dans pile l'autre fois on était pensé que depuis nous ou véritable dou là c'est aller là MLS là mais qu'on y a là en pile équipe en Chine en pile équipe et même au Japon
à bainer qui a fait les yeux doux et qui offre les longtemps plus cobre que MLS Taka Oufrio. Donc moi, c'est après 3 ans, même de tout cœur, et je t'ai souhaité que monsieur aille en Europe, qu'il va même besoin de bosser encore même. Ça, c'est même là, ça. Ok. C'est la même agence, monsieur, c'est Louise, monsieur, c'est en Espagne. Ok. Monsieur, frappé, mais bon, non, il dit que même, il y a 10 équipes, il n'est pas avec vous, il dit non, qui est mes arrières, ok. Window, mais ouvert, là, n'importe là, on attendait que monsieur. D'ailleurs, même une deuxième division en Europe, quelqu'un doit avoir plus avantage que côté de la jouer. Ouais, parce que, voilà, premièrement, on va toucher en Europe, monsieur a bien plus qu'au Blamény, et puis monsieur peut jouer long niveau qui parle très intéressant, et puis monsieur long niveau qui est plus intéressant. Dans le cas où monsieur a toujours opté pour continuer à jouer pour Haïti, Haïti a bon joueur de plus grand niveau qui parle rejoindre. Ouais. Mais comment monsieur y est là, où a fait sélection haïtienne là? Ouais, bon, coach a même champion, monsieur est coach champion. Parce que si on regarde les matchs Japon, monsieur joue tout match à net. Ok. On prend un peu, monsieur, il joue encore avec, et bien sûr, avec mon équipe en Dubaï. Oh, côté Italia, oui, ok, monsieur, j'ai dit la match à là. Donc, monsieur fait partie de l'effectif là, oui. Définitivement, depuis l'équipe l'a dépassé, oui. Monsieur n'a pas grand problème, monsieur a parti avec l'équipe là. C'est le premier, et la première équipe ça, monsieur joue pour Haïti. Je n'ai pas joué l'équipe plus bas que Haïti. Je l'ai joué pour 17. Et pas ça que tu as la Coupe du Monde là. On va me songer, monsieur, j'ai lancé l'élection qui est pipiti déjà. Ok. Ok, je me songer ça. Bon, nous avons souhaité, monsieur, bonne chance pour nous finir à chapitre, monsieur, pour nous terminer avec un toujours. Est-ce que vous avez fait nos promesses qu'un jour, MCTV a bien, monsieur, là, comme invité? Bon, ça, c'est quand même que vous connaissez, nous connaissons depuis longtemps. Oui, depuis longtemps. Bon, way back. Ça, c'est aussi Zachary, M. Gadi, petit garçon. Oui, oui, way back. Way back. Mais, monsieur, pas là, fait créole là même. Ah, je ne pas la créole avec monsieur Gadi, monsieur de Dandy. Dandy. Oui, 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 ça vous le connaît. Même je maîtrise et japonais. Je parle naturellement, langue maternelle, le grand diamant mané, c'est normal, il parle. Donc, je suis nom. Ok, donc, son avantage. Je maîtrise le japonais, l'anglais, c'est langue ni. Et puis, je compte Dandy en créole. Oui, je compte Dandy. Là, je suis fréquenté dans la sélection, parce que c'est la première fois dans la grosse sélection. Je fais chanter. Et musique, soit regarder dans YouTube. YouTube. Moi, je vais chanter, c'est pas pour date. Oh, ok, ok. Oui, il faut le combattre de fil. Même pendant que je suis dans seulement qu'on est un, mais Djuri, Poali, Grioli, ou au bon, je suis là-bas. Je ne sais pas, ouais, Dali, il plonge là-dedans. Non, ils sont ici. Ils sont ici pour les manger. Bâton. Elle part de l'homme qui je demande, elle me dit Djuri collé, sauce, elle soit avec sauce, elle me dit Djuri coule à sauce, pas qu'à faire. Je viens, non. On dit collé à sauce, pas. Ok. Ok, ok. Mais il est intelligent, il parle quelque chose, je parle avec Zamine. Oui. Bon, encouragez-le, parce que quand on veut ou non, je dis, moi-même, je dis, chaque langue, on me balaye son master de Google, là, mais on. Et puis, vient jouer monsieur, il est là, il y a, pour le jouer avec joueur haïtien, pour le voyager avec eux. Parce que là, plus qu'à communiquer, monsieur a pied à l'aise. Bon, et nous étions 2 minutes là pour nous terminer. Nous sentons que nous devons ça. Nous apprenons que c'est CEO, une compagnie, téléphone dans le pays d'Haïti, qui commence à valer le terrain, créer les cri-crac téléphone combiné. Ouais, est-ce que vous avez un outil détail ça? Oui, téléphone cri-crac, bon, c'est nous faisons un contrat avec Natcom. Son téléphone rugged, son téléphone qui est durable, il est bon pour la pluie, il est bon pour le soleil. Expliquez-moi, il y a quelqu'un qui a un petit peu perdu là. Ou un téléphone, ou pas un téléphone qui signe un contrat à Natcom. Oui, c'est Natcom, ça c'est device, ça téléphone qui est là. Son téléphone que moi j'ai créé après le tremblement de terre en Haïti. DVIT, DIC, on téléphone compagnie, on téléphone non mais qui est durable. Ok. Parce que l'organe de téléphone IT, petit téléphone, c'est 2 à 6 mois durable. Ok. Si on fait un téléphone qui est cric-crac, qui est bon, si on met des mises à charge, si on a un courant, il y a un cyclone, il y a un tremblement de terre, tout ça, ce n'est pas de problème lié à un téléphone ça. Pour qu'il y ait un monde qui va le faire. Ok. Il a tombé dans de l'eau. Il a fait 42 heures dans de l'eau. 42 heures dans de l'eau? C'est tombé dans le monde. Que les gens payent, les gens payent, quand c'est nous qui avons dit que c'est nous qui avons un bon téléphone.
Et mon bagon ou une mon langue, je fais un avant. Non, ça va. Ok. Ok, mon gain. Ok. Ok, ok. Ok. Comment tu as écrit? K-L-I-K-A. Ok. K-L-A-K. Et bien, en anglais, vous avez un petit monde qui va fort. K-R-I-K-A-K. Ok. Ok. So, for those that who speak English don't understand the word crick. In Haiti, we have an old saying. When we have a joke, we say crick. If you want to listen to it, the other person say crack. Okay. So that's a way of communication. This is why we call it crick. Mm-hmm. So this is very creative. Yeah, very creative. The telephone is doing well. Les police, le police, connaît la sonne la plus crick. Les palais plus crick. Les coligan c'est crick. Okay. Boy c'est crick. Mais combien de temps nous gagnons sur le marché là? Déjà sur le marché, non, déjà sur le marché. Mais mis à part tomber dans l'eau, cabane à Véli, tout ça, ça y est. Tout ça, on a un website là, on a un Instagram, on regarde un clic-clac, un téléphone, on va tout bas, ça y est. Wow. Son téléphone, que, et plus que ça, clic-clac là et tout, moi, je me dis, que c'est bon, bon business, moi, je vais entrer en Haïti, que moi, je me dis, je vais faire comme. Mais je me défends pas pour me faire ici, je vais faire comme. Il a fier de lui que crack nous avons produit qui bon qu'on a prouvé en Afrique. Il était simple de changer nous, on dit non. Et crack son téléphone haïtien lié. Mais si on fait publicité en Haïti, est-ce que mon en Haïti t'en parle? Oui, non. Des pour que si son haïtien en Haïti, on va prendre des crack. On va prendre des sous diaspora avec eux. Mais depuis ça, ils sont en Haïti, on va prendre des téléphones crack. On va dire que chaque fois que réseau nous fait ça, puis que quand ils vont nous toujours prendre et nous pensons à nous aller nous faire. Mais qu'on a pas qui est intéressant et majorité monde qui a dépensé en Haïti comme la c'est la diaspora sorti pour me dire son monde en diaspora comme là bas pour qu'ils soient pas ici promouvoir la diaspora davantage pour monde en diaspora ouais ils ont avantage là et puis le trois chez les vieux bah monde en Haïti nous gagnons oui ça dit à très important que nous t'as pensé ça et n'a pas traversé ça tout. Parce que nous avons regardé des fois, nous avons pensé qu'il y a une liaison avec. On se débat aussi. Nous avons Jacques au transfert, que nous travaillons avec eux, que nous cachons, que nous avons soupé, et puis nous avons dit que nous faisons des points. Parce que ça a commencé à faire que Jacques au transfert travaille. Ok. Bien. Ok. Mais est-ce que le téléphone nous a dit tout à l'heure, si nous avons besoin d'informations, si nous avons un téléphone compagnie, il est capable de la même numéro de téléphone. Oui, il est le même téléphone. 617 605 605 68 99. Yes, 617 605 68 99. On doit arriver si tu as besoin de plus d'informations sur ça. Mais bon, on espère que les Zachary a venu. Zachary a avec deux, trois clics là. A fait promotion pour business pas parler pour mon numéro de téléphone. Non, ok, pour nous aller, surtout nous entrer à Haïti souvent. D'ailleurs, ce temps d'annonce, on se dit là que nous avons pour nous entrer à Haïti pour nous courir 8e sommet sous finance avec FinTech que le groupe Croissance a organisé du 9 au 13 avril prochain. Et grâce avec un pile monde qui supporte nous et grâce à groupe Croissance, eh bien nous-mêmes n'a pas en direct depuis premier jour jusqu'à dernier jour, depuis côté ballon centré, à ce que le match a fini pendant les 5 jours. MCTV à plat. Mais Pedro nous dit bonne chance, nous contents, nous apprenons pile bonne nouvelle là et nous souhaitons à chaque fois nous rencontrer une nouvelle lieu multiplier et ça qui va nous plus plaisir et qui fait porte là toujours vrai pour vous, c'est parce que ça qui a fait tu retomber, ce n'est pas sur vous seulement y a tombé, c'est de retomber, qui a tombé sur des mondes qui plus la nécessité dans le pays parce que j'en aurais même dit, c'est la culture et le football et le sport, mais le sport d'abord. Qui est capable de faire Haïti rivaliser avec les pays occidentaux. Qui monde qui t'a imaginé dernièrement là, nous fait match nul avec États-Unis long bagaille. Match nul là veut dire nous égaler go, li pa pi bon passé nous. C'est grâce à football. Qui est ce monde là qui se bagarre encore jodi à l'an 21e siècle à niveau pays ça fait bac là pour nous ta battre le Canada long bagaille. Ah, mais c'est le Canada nous battre pour nous capable jouer une place sur la Coupe du monde de football là. Et ben ça veut dire c'est grâce à football là. Haïti parle en Coupe du Monde. Une Coupe du Monde qui a 16 équipes. Coupe du Monde, on veut dire qui ça? On veut dire c'est la réunion des meilleurs dans telle discipline. Ah, mais ça veut dire que mais Haïti, parmi 16 plus bons bagailles qui gagnent sous la terre bénie,
Ah, mais ça, Coupe du Monde, on veut dire oui. Ah, mais l'an 16, pi bon équipe football féminin, l'an l'âge, ça a, eh bien, U20, avait dit que si mon petit fille cap joue football, qui beaucoup gagne 20 ans, eh bien, tout pays qui est sous la terre, Haïti parmi 16 meilleurs. Encore une fois, c'est grâce au sport. Donc, nous remercions vous et nous souhaitons que vous venez dans pile monde continue à accompagner vous. Et puis, dit monde qui a supporté vous, que big up pour vous, vous avez tout le monde, vous avez dit que MCTV dit vous, merci en pile. Merci MCTV, merci en pile. Encore une fois, merci d'avoir fait choix de nous. C'est MCTV et Julio Midi vous dit bonne semaine. À la semaine prochaine.